Bonjour Michel de Messine. Bonjour Pascal. Vous avez été sénatrice du Nord de 1992 à 1997, puis secrétaire d'État au tourisme dans le gouvernement Lionel Jospin de 1997 à 2001. Quel a été le sens de votre action au sein du gouvernement? Eh bien, j'étais en charge du tourisme. Mon ministère était adossé à celui des transports, donc j'avais comme ministre de tutelle Jean-Claude Guesso, ce qui a certainement facilité mon projet, mon travail. J'ai vraiment pu travailler en toute liberté. Évidemment, quand j'ai eu cette responsabilité, je n'avais pas de compétences particulières pour le tourisme. Sinon que j'avais quand même une petite visée qui était celle du droit aux vacances que j'avais appris comme étant aussi une revendication des salariés, puisque ma première responsabilité ça a été d'être déléguée syndicale dans mon entreprise. Donc en prenant cette responsabilité, je savais que j'avais à gérer un énorme secteur économique qui est celui du tourisme, que la France était la première destination touristique au monde, donc un poids économique important et une destination d'où on venait du monde entier. Mais en même temps, je savais que la moitié de nos concitoyens ne partaient pas, n'avaient pas le droit de partir, faute de moyens. Et donc, moi, j'ai bâti ma vision du secrétariat d'État au tourisme autour de ces deux pôles, à la fois animer le secteur de l'économie touristique et ses nombreux acteurs. Ils sont beaucoup, beaucoup d'acteurs, des petits, des grands, sur tous les territoires. Et en même temps, penser à nos concitoyens qui, voyant une ministre communiste à ce secteur d'activité, devaient quand même se dire qu'on penserait un peu à eux. Et donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Et en prenant en compte les difficultés et les enjeux de chacun de ces deux domaines. Les enjeux du tourisme privé, disons, c'était d'avoir des conditions d'exercer leur activité et puis de se sentir aussi soutenu par le secteur public, par l'encadrement public, d'être connu à part entière comme un secteur économique à part entière, ce qui n'était pas forcément le cas. C'était pas pris vraiment en compte, et puis leur faire avancer les sujets auxquels ils étaient confrontés. Donc ça, je l'ai pris à bras le corps, et en étant très à l'écoute et très attentive de leurs problèmes, même si au départ, je n'avais pas été très bien accueillie. Ils avaient un peu eu peur de moi parce que j'étais une femme déjà, parce que j'étais communiste, et en plus parce que j'étais du Nord, donc j'avais pas de qualité pour eux pour animer ce secteur. Et je pense que très vite ils ont vu que c'était pas du tout le cas, puisque j'étais très à l'écoute de leurs besoins. Et puis ensuite aussi sur le côté droit aux vacances, là j'ai vraiment beaucoup travaillé. L'administration du tourisme n'avait pas de secteur droit aux vacances. Il n'y avait pas d'administration qui s'occupait de ce secteur. Donc, on a créé un service et puis on a travaillé d'abord en direction du tourisme social et solidaire qui était bien à la peine à l'époque dans ses objectifs de renouvellement de son parc, de patrimoine, de sa modernisation, des besoins qu'il avait, et aussi de se sentir soutenu. Et puis aussi mettre en place des dispositifs qui favorisent le départ des personnes les plus en difficulté. Donc c'est pour cela que j'ai créé la Bourse Solidarité Vacances, que je me suis vraiment appuyée sur l'agence du chèque vacances, et qu'on a commencé à développer le secteur social du tourisme à travers l'agence du chèque vacances.
Et j'avais une troisième, deux autres préoccupations que j'ai mises en œuvre aussi également, qui étaient les conditions de travail des salariés du tourisme. Il y avait beaucoup à faire. Et donc on a travaillé, notamment j'ai eu l'aide et l'apport de Anicet Leport, à qui j'ai demandé de faire un rapport sur les conditions de travail des saisonniers pour donc les améliorer, et m'a rendu un rapport de 99 mesures, dont certaines ont été mises en application. Donc voilà, ça s'est un peu arrêté derrière moi, il faut le dire. Mais ça reste toujours à l'ordre du jour. Parce que la question, aujourd'hui, avec la crise, ce qu'on se rend compte, c'est que, eh bien, ils sont partis, les saisonniers touristes, vers d'autres métiers. Ça a été l'occasion pour eux d'aller vers des métiers plus sécurisants. Et aujourd'hui, parce qu'on n'a pas bien sécurisé leur métier, eh bien, les acteurs du tourisme sont un peu à la peine pour trouver du monde pour la saison qui repart, notamment les services des cuisines, etc. Enfin, tous les métiers très difficiles. Et puis, dernière chose qui me tenait particulièrement à cœur, c'était d'ouvrir le tourisme aux personnes handicapées. Et donc, là, j'ai créé le label... j'ai travaillé avec les professionnels du tourisme et on a créé un label « Tourisme et handicap » qui indique aux personnes handicapées qu'ils peuvent se rendre dans certains hébergements ou dans certains lieux du tourisme où ils pourront disposer des conditions de leur handicap. Et donc ça, aujourd'hui, ça continue à vivre et à bien fonctionner. 20 ans après, puisque nous sommes en 2021, avez-vous le sentiment que des progrès ont été réalisés pour permettre et aux salariés et aux retraités de pouvoir partir en vacances? Sur le départ en vacances, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de progrès, puisqu'on est toujours à peu près au même niveau, au même pourcentage de citoyens qui partent. Je pense que où ça s'est aggravé, comme ça s'est aggravé pour plein d'autres choses, c'est notamment chez les jeunes et chez les jeunes couples qui travaillent. Souvent à deux et qui n'ont même pas les moyens de se payer des vacances. Ça, c'est... Et là, il y a un sillon qui s'est particulièrement creusé. La pandémie et ces périodes de confinement, d'isolement, la gestion anxiogène de la crise sanitaire par le gouvernement a certainement aiguisé, renforcé le besoin de vacances, de dépaysement. Que faudrait-il, selon vous, comme mesure aujourd'hui pour aider les uns et les autres, salariés et retraités, à prendre des vacances? D'abord, il faudrait qu'ils aient des meilleurs salaires. Je pense que ça, c'est déjà un point très important, et c'est bien parce qu'ils n'ont pas les salaires suffisants qu'ils n'ont pas les moyens de partir. Ensuite, je pense qu'il faut encore développer le chèque vacances. Et notamment dans les petites et moyennes entreprises, c'est là où se trouve la majorité des salariés aujourd'hui, qui n'ont souvent pas de comité d'entreprise, qui peut diffuser des programmes vacances pour leurs salariés. Je pense que ça, c'est un enjeu très important. C'est une aide, c'est un dispositif qui existe aujourd'hui. Et pour ma part, je pense qu'il faudrait que l'instauration du chèque vacances dans les petites et moyennes entreprises, qui est aujourd'hui déjà possible, mais il faudrait qu'on l'instaure au sein des négociations professionnelles. Je pense que si ça c'était à l'ordre du jour, des choses à faire avancer dans les négociations professionnelles, je pense qu'on y arriverait beaucoup plus vite que seule l'agence qui démarche une à une les entreprises et qui ne trouve pas toujours, elle ne démarche pas avec les salariés, elle démarche avec les chefs d'entreprise. Et je pense que si cette mesure venait à l'ordre du jour des négociations professionnelles, on avancerait beaucoup plus vite. Et ça, ce serait quand même une aide très importante. Et pour les retraités? Alors, pour les retraités, il existe déjà un dispositif. Ça, c'est celui, à mon avis, qui marche le mieux, qui est positif et qui s'est développé positivement. C'est le programme Senior en vacances de l'ANCV. Et je pense qu'on peut encore le développer. Je pense que vos lecteurs, qui sont parfois adhérents de l'association LSR,
à travers cette association, peuvent s'inscrire. Et puis, parce que le dispositif est vraiment très avantageux, il permet vraiment à des personnes avec des très petites retraites de partir. Il est soumis à un critère de ressources. Et donc, même ceux qui ont vraiment pas beaucoup de retraite peuvent partir à un prix qui est quand même tout à fait abordable, parfois 100 euros pour une semaine. Et je pense que il y a 2 ans, le gouvernement avait doté la NCV d'une manne financière pour le développer davantage. Je pense qu'il faut remettre ça à l'ordre du jour. Il faut que l'État prévoie d'aider les personnes, les seniors, à partir en vacances. Le tourisme social est prêt à les accueillir. C'est grâce à ce dispositif avec le tourisme social qu'on a mis en place cette mesure. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour les accueillir. Oui. Vous êtes aujourd'hui présidente de l'UNAT, l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air. Cette association se présente comme la tête de réseau du tourisme social et solidaire. Quelles sont ses missions et ses actions? Alors, l'UNAT rassemble à peu près 80 adhérents nationaux, les grands opérateurs connus, VVF, l'UCPA et bien d'autres. Et elle en rassemble aussi plus de 600 à travers les structures régionales, les UNAT régionales. Donc, globalement, on représente quand même un très grand nombre d'opérateurs du tourisme social et associatif, des petits, des gros opérateurs et des petits opérateurs. Il existe dans le réseau à peu près 1600 structures, composées de villages de vacances, de colonies de vacances, d'auberges de jeunesse, comme ici, mais aussi de camping et aussi jusqu'au chalet de montagne, au refuge de montagne. Et donc la mission de l'UNAT, c'est de défendre les intérêts du secteur, les faire reconnaître, montrer les atouts que représente d'avoir en France, et c'est assez une exception en Europe, d'avoir un réseau aussi important d'acteurs du tourisme social et associatif répartis sur l'ensemble du territoire, dans les plus belles stations de la France, mais aussi en zone rurale, ce qui en fait souvent le premier employeur des petites communes rurales, puisque nous avons à peu près 60% de nos villages de vacances qui sont dans des villages de moins de 3000 habitants. Donc on joue un rôle d'aménagement du territoire, on permet à des communes de vivre, de garder ses commerces, et on apporte aussi de l'emploi. Voilà. Le tourisme social et solidaire est en bonne forme. Bon, la crise a certainement fragilisé, mais nous sommes battus pour pouvoir avoir les soutiens de l'État nécessaires à résister à cette tempête. Aujourd'hui, évidemment, il faut rebondir. Mais notre plus gros souci est la rénovation du patrimoine. Il y a 20-30 ans, quand j'étais ministre, il existait ce qu'on appelait l'aide à la pierre, qui permettait au tourisme social d'avoir des subventions, qui permettait de moderniser les équipements pour les mettre aux besoins d'aujourd'hui, sans devoir répercuter la hausse dans les prix. Et ça, c'est une des forces du tourisme social, c'est à la fois s'adresser à tous les publics, d'accueillir les publics les moins favorisés, et en ayant toujours des prix compétitifs. Ça se faisait avec un soutien important financier. Aujourd'hui, cette manne a disparu. On nous propose, pour faire nos rénovations, que des prêts. Mais les prêts, on sait très bien, bon, évidemment, on peut faire des prêts, mais il faut les rembourser. Et surtout, ce qu'on veut, c'est tenir le secteur complètement accessible au plus grand nombre. Donc c'est un enjeu qu'on a, on se bat avec les pouvoirs publics, avec les collectivités territoriales pour être soutenus, parce qu'on estime qu'on a part entière au tourisme français, et qu'en plus on est capable d'exercer des missions sociales. Ce qui se passe sur le terrain avec l'accueil de personnes en difficulté, avec l'accueil de personnes handicapées,
on remplit aussi une mission de service public. Donc voilà, l'UNAT sert un peu à réunir tout ça, à constituer une force pour avancer, et puis pour que les acteurs se parlent entre eux aussi, voilà, mutualisent leur projet. Je vais avancer un petit peu. Dernière question. Un message pour les lectrices et les lecteurs de Vie Nouvelle. Alors les lecteurs de Vie Nouvelle, je les adore parce que ce sont les seniors que je rencontre parfois lorsque je visite les villages de vacances. J'y suis très sensible parce que en fait c'est ma génération. C'est ma génération et j'ai à cœur de penser à eux. Et je voudrais aussi, et puis je pense qu'ils se rappellent toujours aussi à ce qu'on pense à eux, et je voudrais saluer leur combativité. Voilà, je trouve que c'est très important ce qu'ils font. Leur combativité, là, ils ont bien le droit de prendre des vacances aujourd'hui parce que je sais que pour la plupart d'entre eux, ils ont d'autres activités. Soit ils ont gardé des activités syndicales, soit ils sont aussi des activités, on compte sur eux dans les associations. Ils restent très, 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 très occupés, très actifs. Alors aujourd'hui, je leur souhaite de bonnes vacances parce qu'ils ont aussi le droit de se reposer et je leur souhaite de passer de bonnes vacances dans le cadre du programme Seniors en vacances et la bourse Solidarité Vacances que je sais à laquelle ils tiennent beaucoup et ils peuvent compter sur moi. Merci Michel. Voilà.